En sculpture, il ne s'agit pas de volume. Il est question de quelque chose de profond à l'intérieur de nous-mêmes, que la sculpture ne peut pas décrire. Jean Plensa, artiste de renommée internationale, est considéré comme un des grands héritiers de la sculpture espagnole. Il y a dans les sculptures et les visages de Jaume Plensa une opacité délibérée, reflet du monde intérieur caché en chacun d'entre nous, qui protège du monde extérieur et recèle une énergie, une âme, une spiritualité révélée par l'œuvre. Nous sommes à Chaumont-sur-Loire en présence de trois beaux visages d'enfants tournés comme chacun d'entre nous vers leur mystère intérieur.